Bonjour mes petits oiseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir le petit colis, la box de livres. Oh, j'ai mes cheveux qui s'attachent. Box de livres, je trouve que celle-ci, elle est très mignonne avec le petit chat couché sur les livres comme ceci. Du coup, on va s'ouvrir ça comme tous les mois. Du coup, c'est la box de mars. Voilà. Du coup, je mets de côté. Oh ben, vous recevrez. J'ouvre comme d'habitude avec vous, voilà, comme ceci. Du coup, on a toujours le petit mot personnel. Voilà, le petit colis vous présente vos petits livres de lecture. Vous découvrez deux livres en format poche et des petits cadeaux. Du coup, ça se trouve dans du petit papier comme ceci. Après ça, on va pas regarder tout de suite. C'est le résumé de la box. Après, je vois quelques petits trucs. Du coup, je vais déposer. Et on va commencer par, comme chaque fois, on a des marque-pages comme ceci. Avec un petit texte. Le chat, il est très beau aussi. Petit chat comme ça. Et là, toute complète. Je mets de côté. Puis on a une barre de céréales comme ceci. Je vous montre. Je vais la sortir de son emballage pour vous montrer. C'est une petite barre de céréales. Je suppose que ça doit être du chocolat blanc. Voilà. Je vais leur mettre dedans. Ah oui, il y a. Regardez, je vous montre les ingrédients. J'espère que vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si je vais la manger comme il y a de l'amande. On verra bien. Je goûterai peut-être. Après, on a notre petit truc là. Je ne sais pas quoi. Ça, hop. Comme chaque fois, le coller sur le côté de la boîte. Je sais pas c'est quoi. Une petite. En tout cas, la couleur est très belle. Un rose. Un beau rose. Avec marqué. Le petit colis par collection. Je pense que tu dois être un petit. Ah oui, un miroir. Vous allez vous voir. Voilà, c'est un petit miroir. On voit mon tiroir. Un petit miroir. Moi, ça peut être utile. Du coup, le plus intéressant se trouve là. Du coup, on ne regarde pas. On va prendre un à la fois. Hop. Ah, c'est ce que je voulais vers sur l'amour qu'il approche du sexe. Du coup, je vous montre la pochette. C'est celui que j'avais vu qui me plaisait bien. Ouais. C'est aussi, je crois que c'est une série. Ouais. Saison 1. Oh là là, m'ennuie ça. Du coup, je vais devoir acheter les autres après, quand je l'aurai lu. Du coup, je vous montre. C'est une histoire barbante. Et puissante, une relation entre une jeune institutrice du New York un peu coincée et un acteur de cinéma. On commençait par la gloire, l'homme et la femme, et dominateur, tout oppose. Pose, ils ont rien en commun, et pourtant une passion horrible, puissance et inévitablement va le pousser l'un vers l'autre pour leur faire vivre un des grands histoires d'amour du 7e ciel. Lui est tellement épris de Nathalie qu'elle se perchute. Il peut changer pour elle devenir l'homme qu'on a donc elle a besoin. Mais Nathalie va-t-elle vraiment avoir que Flamie change. C'est à votre aventure d'amoureuse que vous convient
MS, force avec tous nos talents d'énigmement de changer de ces personnages pour vous faire partager son point de vue. Amour. Pas mal comme livre. On verra ce que ça donne. Mais pour le moment, je suis nulle part en livre. Je lis pas beaucoup pour le moment. Et le deuxième, il a l'air beau aussi. Ni Marie, ni Interné. Très beau la couverture. Je trouve ça très joli. Aussi. Je ne l'aurais pas acheté si je l'aurais vu. Mais pourquoi pas. Se faire plaquer à 2 semaines de son mariage. Se retrouver au chômage pour avoir préparé le dit mariage sur les heures de travail. Perdre tout dingue après avoir croisé son fiancé. Volage et à nouveau femme de sa vie. L'air pas trop mal. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu un de ces bouquins. Qu'est-ce que vous en pensez? Lequel que vous avez envie de me piquer? Ah oui, c'est aussi une partie 1 ça. Je vois partie 1. Du coup, il faudra que je me renseigne si vous voulez. J'essaye. Vous pouvez faire pause. Si vous voulez lire le reste de la description. J'ai pas tout lu. Que faire quand on se fait plaquer en 2 semaines et nous par notre futur époux et on se retrouve au chômage et qu'on perd toute dignité et croisant son fiancé vend l'âge au bras de sa nouvelle femme de sa vie. Faites comme Georges partait 6 semaines à Thaïlande. Et c'est France dimanche. A l'air pas mal. Je pense que quand j'aurai fini mon... Celui-là me tente. Celui-là aussi, un peu plus. Je sais pas combien de pages il a. On va regarder ça. 426. Ouh, j'ai bugué. Et celui-là... Il y a toujours un petit peu moins. 393. Oh là là. Voilà. Et alors il y a toujours les... Je suppose que c'est les suites, ça. Je ne sais pas. Parce qu'il y a toujours quelques livres au bout du... livre, comme ça. Il y a celui-ci. Et l'autre, je ne sais pas si j'ai pas... Ah, non. Dans la page, peut-être. Parfois, ils les mettent... Ouais, là, il y en a 2 autres livres. Je ne sais pas quoi. Ni Marie, ni entendre. Ah oui, c'est tome 1 et tome 2. Il y a 3 tomes, si je vois bien de ce lien. Pourquoi pas? On verra quand on l'aura lu. Mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel livre vous avez envie de me piquer. Voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!